Bonjour, nous sommes journalistes. Bonjour, nous sommes Congolais. Nous sommes à la télévision Congolais Télévision. Très bien, plus de 147 000 abonnés basés sur Kotchukolando à travers notre chaîne Congolais Télévision. Actualité, ils ont beaucoup plus dominé dans l'Est, la République démocratique du Congo, autant comme on a le président rwandais, que le Rwanda ne va plus accepter bien accueillir des réfugiés congolais. Mais aussi, nous allons parler de cette actualité électorale où ça la peine à maquiller les lignes à toile. Il y a politique qui a été en train Martin Fayoulou, le bien qu'on publie, liste à centre enregistré, mais les allées non opérationnelles, tandis que la CENI à Tchaki Bassantre en a pour enrôler. C'est déjà une manœuvre, d'après Martin Fayoulou, de ne pas organiser des élections en 2023. Toujours dans cette allée, il y a élection 2023, il y a un éminent prophète qui a réuni au quartier du Congo, au nom de Joël Francis Tatoua, qu'on s'est déjà prophétie pour l'enrôlement. Nzambala, qui s'y est qu'en 2023, il n'y aura pas d'élection, élection qui n'est pas rapport. Enfin, nous allons parler de ce dossier Kasai. Moko Yabayi, ministre, José Panda Kolobake. Aucune activité, bien aucun projet qui est lancé dans la Kasai orientale des années récites. Il y a toujours l'échec total. D'après Yakwa Kizeba, collaborateur et chef de l'État, encore une fois, bonjour et bienvenue, Fabrice Mélan. Bonjour, merci. Naba Kongoman Nyoso. Merci à vous, Mbanyo, sur les aliments de Mboka Fabrice Belenga. On rappelle qu'il est cadre de l'UDPS, il est donc obéit à Mbambetali politique et à République démocratique du Congo. Mboka, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, mais surtout, on va toujours comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo. La santé politique de la République démocratique du Congo, nous continuons toujours de se battre parce que, dans le MISO, tellement, la mission de Mbango Izalaki et Akoué, toujours. Qu'ont infiltré la République démocratique du Congo. Et ils vont continuer dans le salaire. Mais cette fois-ci, ils ont été aussi tous les Moukaki, ils ont appelé juste les Congolais, ils ont été éveillés. Parce que l'éveil, ils ont été infiltrés, ils ont été éveillés sur ma capacité. Du fait que tous ont détecté, ils ont été éveillés pour déloger. Raison pour laquelle, au moins, le président de la République a été déboulonné. Et le déboulonnage au président de la République a été ezalaki déboulonnage moko ezalaki ya makasi. Au moins, il y a un propos, monsieur le président de la République, qui a été dit que le président peut-être que les Congolais comprennent qui mabe, mais il y a un peu de temps, tant que le président de la kala. Ayeba ki ke non ba dongolo miso ba si ba infiltra biso. Biso to tikala na système moko ya kolobaka ka ba infiltra biso na ba institution ya mboka. Non, non. Ba infiltra biso, Rwanda a infiltra biso à haut niveau. Azala ki te kaka na ba institution ya mboka. A kota ti na bisika ya mike mike. Mais eza musala makasi, président de la République a bandi déjà ko reçu dans 4 ans. C'est na deuxième mandat. A bandi déjà ko reçu dans 4 oui, ans. A bandi déjà ko reçu. Parce que le récit est à niveau ni mon amour. Récit est à non. Au moni Rwanda a infiltré biso banda kala. Infiltration Rwanda eba ko sala. Tout est déjà ko démasqué en haut. Rwanda banda ki coopéré. Pour na voye ba ko yi ba. Ba minéré na ba coltan ya est ya République démocratique du Congo et le lo Rwanda a bandai ko bomba pe ba congolais mais du fait que bandai bomba ba congolais président de la République a eko démasqué bango na nzela ya communauté internationale et le lo bazali étalé ba mina miso ya ba o koloba ke Rwanda bandai ko bomba congolais total ki récemment a moko ba conseiller privé ya chef de l'État Fortuna Bisselele a Kolobaki que il y a eu des accords au total qu'on a moqué à Signana Wana, il y a même dévoilé quelques accords Wana, Wana a infiltré, parce qu'il y a eu bien tête qu'on a moqué à Nemoutakende Kolokaba. Partenariat à Wana, il y a Monique, à comme vous allez étouffer en quelque sorte dans le partenariat à Eye, à un moment de là, comme vous êtes en combo à Wana, tant que midi pour comment moqué. Non, non, relation internationale et Senga Kaïsa la Bongo. Au moment où mon conseiller Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengaki naye à ça la diplomatie ya approche. Quand on parlait des accords, il niait que y a eu non, ezali question ya accord té. Au moment lelo ata soko yebi singai ke non moto X azalaka mobulu to azalaka ndumba moi si wana azalaka ndumba. Ngai pona eba ki mwasi wana za lakanduma, ifale na pusa na pembeni ya mwasi wana, na linga mwasi wana, na bana kovivre na mwasi wana, pona eba soki reellement mambo, yebi singa eza ya solo. C'est la même chose au moni président de la République ya eba yiko sala.
abenda na ki pembeni ya Paul Kagame pona kubimisa buzoba nyoso yo Rwanda eba kosala na République démocratique du Congo. Lelo par exemple komona RDC soki tozala ki na na lingomba ya EACT. Omoni EAC école. Oui, EAC ya force régionale. Omoni na kopesa yo exemple na yango pourquoi? Na relation internationale et rapport entre les États et la force et Amakas. Et tant au République démocratique du Congo, ils ont la Kinakatia EACT, ils ont la Sekele, M. Sebanako Beta Manakatia EAC, ils ont la comploter, ils ont la comploter contre la République démocratique du Congo, okay. Sans que Bissoto Eba. Et du fait que Bissoto Zana Katia EACT, ils ont comploter, ils ont la sali action, ils ont la sali action, sali makam. C'est-à-dire, adhésion à la République démocratique du Congo na EAC, ezali implice pour la République démocratique du Congo pour na koyeba ko découvrir ce qui peut bango bazala kana na complot contre la République démocratique du Congo et bima lelo remon na Rwanda. Rwanda to yeba ki ko sa la politique d'approche to pousani pembeni ya gouvernement ya Paul Kagame to kangami na bango et lelo omoni na kimia au président de la République bandai koluka contre Rwanda et bimi na miso polele que Rwanda mutu agresaka République démocratique du Congo et lelo na rapport des forces ozali comme on a déjà Rwanda zali ko za déjà condamné kaka ba pays bandai ko soutenir Rwanda le même pays ba comme sikoyo ko sala contre-offensive, c'est-à-dire qu'on condamne Rwanda contre-offensive non koloba contre-offensive on a toujours na 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 li Rwanda ya koloba contre-offensive. Est-ce que ce pays là va consacrer contre-offensive contre le Rwanda va consacrer d'une manière sincère ou bien ils ont toujours ba kota la ba intérêt na ba moi comme vous allez étouffer en quelque sorte du côté de la République démocratique du Congo ils étaient dans l'obligation ya kota na koba Rwanda d'une manière négative pour que ba privilégier ba intérêt na ba après un certain moment récupérer tous leurs intérêts ba kozonga na na position na bongo bobo mais ça ne moi na mboka Fabrice Bela mais ezalaka bongo na relation internationale to na diplomatie l'état baye bakayango na force diplomatique omoni rapport de force nde salaka ekolo yoko e vivre et ndenge pe tozalaka bongo na ba accord ezala accord ezali international ba accord wana tango ba respecta ba accord wana ezalaka état contre état et chaque état azali na bénéfice chaque état a un intérêt na kati ya accord wana le logo mona Rwanda as ayeba ki kosala par exemple Rwanda azalaka na OIFT Rwanda azali na organisation ya francophonie mais romona Rwanda azali ko occuper ba poste na kati ya francophonie aussi longtemps que ye azali pays francophone de ezali politique ya mabe et biso République démocratique du Congo tozalaki na concert o ezalaki ko dénoncer mabe ya Rwanda et lelo okomona par exemple ma mbotali fibre optique na fibre optique wana Rwanda ayebi toujours ko infiltrer biso na nzela ya fibre optique comment expliquer serveur central na ma mbotali fibre optique na communication ezala et se retrouver na Rwanda ezali un peu situation moro ezali un peu à haut niveau il fallait toi ba ko contrôler yango. Mais le Rwanda a bimi na miso polele et biso pe toroti kate parce que au moni appel ya président de la République oyo a lansaki ba jeune ba ko intégrer armée ezali appel oyo ko pesa biso force pour tout ça la contre offensive et ce qui est ko senga to landa M23 RDF na kati ya Rwanda to ko kende parce que les relations diplomatiques ezali toujours ko beba biso na Rwanda tito kende ko kanga ba frontière na Rwanda c'est-à-dire kuna tozali disusu na ngonga ya kosala masekite parce que mission na bango ezalaki avant to kende maponomi baye ba kosala ba oyo bango basi basali mais malheureusement ekosimbate mbe ezali kosimbate raison pour laquelle omoni ekoyinde la bango ici bandi déjà koyinda na kati ya Rwanda. Très bien, il y a des gens qui sont toujours en Rwanda. Le président rwandais vient de le dire dans les médias rwandais en disant que le Rwanda ne va plus accepter ou bien qu'il y a des réfugiés congolais. Il a dit bien dit que dans le Rwanda, il y a beaucoup de réfugiés congolais qui sont allés dans le Rwanda, mais il y a eu une décision de ne plus accepter des réfugiés congolais par rapport à. Il y a tout le moment dans ma cambo et concerné Bamboté d'après les dires du président Vantepop. Mais non, Kagame Azali toujours dans la politique et à hypocrisie. Et Kagame a compris que non, République démocratique du Congo, Ezali sous Ezala qui 18 ans passé, dans 4 ans, RDC est changé. Lelo Kagame a été
à Koki Koyambalissu Souba, réfugiés congolais. Il n'y a pas de réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Il n'y a, bon, que... a pas de réfugiés congolais. Kagame est en train de faire allusion entre le M23, RDF, Oye à héberger à Kabamo. Pour la et Bazali, réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés congolais. RDF, M23. Kagame a reçu la déclaration pareille. Ils allaient déjà couper Bakokima. Mais à cause de Bango. Ils allaient la baie population congolaise plus au Bakima guerre dans l'est Bakinda na Rwanda. Non, Bazalité. Ils allaient façon ya comme maquiller information. Par exemple, les Romains, tous allaient na Bitumba au Bango ba maquiller na carte de la République démocratique du Congo. Ya Koloba été bateke na Bayaka Bazali Koboma. Or, en réalité, ce ne sont pas les Bateke et Bayaka, ce sont des Rwandais. Les Rwandais ont été infiltrés dans l'église des Noirs. Bakota, dans l'église des Noirs, pour que les gens soient installés dans l'église des Noirs, ba installé facilement. Et les gens qui ont été construits, terre, hectare, est-ce qu'un Congolais peut avoir 50 hectares à lui-même? Pour faire quoi avec? Ils allaient juste politique. Ça la bilangate mon avocat. Ils allaient au sala bilangate. Ngai na yo atale le soto kei na mbandaka okuta mutu moko te azana 50 hectares ya yemoko. Azalité. Ce sont des Rwandais qui nous ont infiltrés pour baiba ko sala bakuba. Nous allons tous les arrêter. Oh, ils allaient mboka ya Rwanda. Mais pourquoi arrêter bon ngini ba ko battre ba citoyens congolais d'une manière paisible? Non, bazali ko battre la ba citoyens congolais te parce que na Rwanda aucun citoyen congolais aza Aza même na 5 hectares où Azali ko hébergé na Rwanda. Azalité. Et comment un Rwandais peut avoir 50 hectares? Comment un Rwandais 5 hectares na Rwanda parce que Rwanda est un peu comme un mouké? Ah, ceux qui Rwanda est un peu comme un mouké. Est-ce que Paul Kagame a eu hébergé par réfugiés congolais? Ce ne sont pas des réfugiés congolais. Ils ont bandé konaye où Azali RDF M23 groupe terroriste où il a créé pour bakoti saka insécurité dans l'Est de la République. Ce ne sont pas des réfugiés. Toyebisaki bango M23 sera traqué si na retranchement naye na kati ya Kigali. Et le combat sera long. Asa bandaki wana, ezali guerre ekozala makasi. Mais guerre wana ekosila na ngonga muke. Ezwi biso ton ekosila na ngonga muke. Lelo Kagame akomi koloba akoki ko recevoir ba réfugiés congolais te. Ye terre ya Kagame wana na Rwanda. Et vous recevez combien de Congolais? Aussi longtemps que vous avez Congo, tout ça dans un espace ébélé, où les Congolais soient déjà réfugiés dans Rwanda. Ce sont ces frères du M23, RDF, qui sont réfugiés. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. Moi, je vais tout fondamentalement parenthèse. Moi, je vais vous dire que M23, déclaration seulement qui de part et d'autre que M23 a quitté quelques territoires où il y en a équipé. Mais jusque là, tout ressenti toujours présence M23. Qu'est-ce qui se casse derrière ces déclarations politiques, mais tandis que c'est M23 va occuper toujours différents territoires, il y a toujours la présence, il y a force régionale. Est-ce qu'il n'y a pas un moine noir aux forces régionales pour ça, si il y a M23, bien il y a eu l'infiltration au sein de ces forces régionales. Non, infiltration Ezali. Parce que nous beaucoup les comme moi infiltration. Infiltration Ezali. Infiltration wana Rwanda a ébahi pour ça la yamote kakana Assemblée nationale, tout na Sénat, tout na gouvernement. Même la force régionale. Rwanda opère toujours avec l'infiltration. Les lois remontent à Rwanda. Na politique où il y a au moment les lots déclarations il y a Paul Kagame ils allaient à faire fouiller mon roi Ibi Kobeta yango il recevra ses frères M23 du RDF parce qu'ils allaient armés naé et aïe va combien on va réfugier parce que ils n'auront même pas 2 cm na République démocratique du Congo au bistro quoi héberger bango il recevra ses frères M23 RDF. Très bien, il recevra ses frères M23 RDF et Zali Moko Malobaya, moi Namboka Fabrice Belanga. Et on rappelle qu'il est juriste, mais aussi cadre du parti politique l'UDPS, Yende Tokobet, Nema Soletali, politique qui a République démocratique du Congo, moi Namboka. Tebetana Marambo Itali Kassai, oui, Marambo Itali Kassai, Baï Kongole Bako le Belango, ton mini, pourquoi plus loin encore, Moko Baï ministre et République démocratique du Congo, na Benjamin Nkombo ya José Panda Kolo Baké. Rien n'est fait dans le projet Nyon Soto Tekolambo Kalasaki na Kasai Oriental. Il est en train de condamner le collaborateur à chef de l'État.
Mais non, ceux qui azali ko condamné ba collabo ou bazali na ba collaborateur chef de l'État. Mais oui, ba o bazali na cabinet à présent en République. Ngai na lobaka na lingaka hypocrisie. Ceux qui président en République a pèsi yo confiance, ezate parce que yo za super congolais. Mais après de même que ba commandement ba sota la biso, ba ko ipe ko za responsabilité. Sanction ni tete ko la mboka sala ka vers ba collaborateur donc ba ko sala ba acte aboué parce que aujourd'hui on le voit bah, différents collaborateurs tete ko la mboka ba ko sala bouzo ba mingi na makambo tel projet ba projet a tete ko la mboka ezan intérêt à population en quelque sorte ba collaborateur en an ba ko sala tete ko la mboka azala na azo gagner confiance à population même na niveau ya Kasai mwana mboka. Mais au moni sanction ni pour accompagner ça ba collaborateur ba ko sala ba mabe makasi parce que to ko mona ba ngolo ba 4 les 3 ans. Le ministère public a proposé 3 ans, lui va quitter Abimi prison à zone na poto qui relia charamana mbalakubo mesan. Administrativement, mokonzi ya mboka a voyé ko sanctionner bango kaka na royé ba kolongola bango na na cabinet. Ndio moni a tu ko restructurer a zapé déjà pour restructurer cabinet mais les gens au bazaki na kata cabinet atindi bango ba différent. On a ezali question ya ya justice. Au moni tant que Mokonzi ya mboka a lancé projet, projet wana ezali pona ekolo, projet ezate pona président ya République, mais projet ezali pona ekolo. Tout à fait. Et tant que président de la République a lancé projet, et que cela arrive à placer ngai confiance pona yeba kosa la suivi au contrôle et tout ya exécution ya projet wana. Ce qui ngai na sali ya moté, mais c'est à la justice, c'est dans ces moments-là. Justice, il fallait se saisir. Justice, il fallait se saisir. Il y a des protégés. Mais non, il n'y a pas de protégés. Il n'y a pas de protégés. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un super Congolais plus que la loi. Azate. Parce que dans le Koyamboka, dans le Likonzi, constitution et lobby, nul n'est censé ignorer la loi. Et la même constitution nous dit encore, les alliés dans le Congolais, mon côté, Azali Kolo Yamboka. C'est-à-dire, il n'y a pas de super Congolais où il y a ce que vous allez na Mokonzi ya mboka au Salamabe, je sais qu'en Mayotte, il n'y a pas de super Congolais. À moins que tout ça, individu, que tout ça, Mobeko ya mboka. Et ce qui ressemble à tout ça, Mobeko ya mboka, c'est-à-dire, c'est à la justice de profiter l'occasion d'arrêter ce genre de badauds. Ceux qui basent à badauds parce qu'ils ont comportement à Mabé. Mokonzi ya mboka, ceux qui apprécient confiance, salam, salam, n'engue, l'omobani. Ezate yozo akanyaka ya bakongomani otia na poche na yo parce que ya ko bima non na zalaka pembeni ya Mokonzi ya mboka te Mokonzi ya mboka zoto sa mobeko et yo mtoza pembeni na ye oza pas même Mokonzi ya mboka oyeba oto sa mobeko te c'est à la justice de s'activer. Mais comment on voit le collaborateur de chef de l'État ba ko sala ba acte moko eza aimable te vis-à-vis ya ya population le retombé ça sera quoi vis-à-vis chef de l'État en 2023 ou d'aller aller année électorale peut-être que la mboka a représenté bilan nini devant les différentes provinces où il y a lancé qui va projet ba projet n'est réalisable à l'occurrence par exemple il y a Kasai il y a est République du Congo nord sud Ituri et tout comme ça à promettre que Kimia Kimezonité à laquelle la Kasai lancé va projet que Simbaté ba collaborateur n'est pas collé ba couper sa image ni tata ko la mboka en 2023 autre aller année électorale qu'est-ce qu'il non tata Mokonzi ya mboka azana budget à co présenter azana azana bilan donc présenter la population congolaise dans l'année électorale aux Tozali à 2023. Mais question Ezali, population en a eu batoyo bazali ko sapaka na ba action ya Mokonzi ya mboka parce que action Mokonzi ya mboka ezo ke ne malamoko vers la population le petit peuple. Mais petit peuple à l'air tout il fallait ba yeba bato bazali ko empêcher action ya président de la République. Et comment et pas il y a petit peuple et va co sanctionner batouana et co sanctionner bah on a dit tout ça déjà dans l'année électorale oyo ceux qui ont aligné ti bateau basali co saper na action en président de la République s'il arriverait peut-être va co postuler bon voter batoua bon voter parce que batouana va empêcher déjà volonté à président de la République et à Verbino ceux qui va repé sa président de la République. Et nouvelle classe politique Yasika pour nakoyeba komatsa ekolo na deuxième mandat et kozala malam mais genre ya bato yo bazali azalaki ka ye wana député mais ye moko aluki moyen akoma lisusu membre ya gouvernement
peuple congolais, bo pesa batu ya bongo mandat électif te po bakoma ba député. Bazali bato bazali ko ya ko empêcher action ya mokonza mboka et comme la bino. Mokonza mboka a lancé projet biso nyonso tozali komona. Mais comment expliquer bato yo ba responsabiliser bato na ba yebaka ko sapé na ba action o mokonza mboka a lancé ki na miso ya bato. Population est sanctionnée bango. Population épée sa confiance dans mokonza mboka parce qu'il a la bonne volonté, mais bon, pour ne la haine, bah, Kambi Yamalam, Oyo, et qu'on permettre à concrétiser Nyonso na 2023, c'est-à-dire dans le deuxième mandat. Très bien, moi, je suis en train de faire un ministre portefeuille, Maman Adel Kayin, qui a été acquise dans le détournement, qui a détourné 150 millions. Ils allaient qui, d'après, ils allaient qui crient normalement, ils allaient dans la caisse, il y a des coutons pour ses intérêts personnels. Yo étant que Moko et Ido Pescota, là-bas, membre du gouvernement, si réellement que a détourné vraiment bon moment, que le banin est sur ma acquisition, pour fonder. Non, ceux qui vont aller fonder la Maman Adel, bon, ils appellent droit à la Congomane, mais en tant qu'acteur politique, la coquille qu'on encourageait à monter. Ngai n'a pas encouragé à monter. Ce qui est allé vrai, bateau basali qu'on acquisait. Justice c'est ça la moussala. Justice c'est ça la moussala parce que nayo qui n'annonce nayo lobby na gouvernement ya Wario. Kozala na gouvernement wana eli ko lobate ki oyi ba kambongo et biso lokola tozali ba membre ya IDPS to encourager yo to soutenir yo. Té na union sacrée ngana lobara toujours na union sacrée. Ils ont été pour héberger bato bazali ko sala ba mbeba. Ceux qui osa na union sacrée au sali mbeba et monani ke osali ko sur mon conseil mboka te. Mais c'est à la justice de faire son travail. Justice ceux qui est monique non détournement réellement ezali. Il y a qu'à s'activer justice sala musala. Ngai nazali wana te pour na décourager bato bazali ko acquiser peut-être bango bazali na ba preuve. Et ceux qui bazali na ba preuve ba ke ko apporter au devant le juge. Juge a voulu faire la musala na e, mais ngai na ko encourager détournement parce que bon moya ba congolais ils a pas na ba congolais. Ceux qui ont commis ministre et tout mandataire oui, public quelque part. Elle aurait vendu quelques terrains à l'État na ba e étrangers n'ont pas l'habitude de couper na bongo na ba délai moko un peu inacceptable apparemment parce que bongo qu'on a libellé surtout l'argent qui devait rentrer aux caisses de l'État. Écoute ma caisse de l'État. Maintenant, ils ont le système Yamabe. Et bateau peut-être avocat conseil à l'étranger, on a un lobby, on a un lobby. Parce que terrain où ils ont approprié domaine public à l'État, il y a un lobby. À condition que l'État ait un lobby, il y a un lobby. Et ceux qui, ministres, ont un lobby, ils ont un lobby. 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 Et les leçons sont les mêmes, ils sont les mafieux. C'est-à-dire, ils ont perdu. Qui construit chez autrui, construit pour celui-là. Ils ont les principes, ils ont les droits. Et net, ils ont les bons. Domaine, il y a l'État, ils sont les mêmes. À moins que l'État ait ça, ils sont les mêmes. Mais si ils ont le système, ils ont la logique. En tout cas, ils ont perdu. Et ils ont soutenir le bilan. Parce que l'État congolais, ils ont un biso congolais. Ils ont protégé le biso de Mboka. Ils ont un biso de Mboka. Mais ceux qui ont un biso de Mboka, ils ont un biso de Mboka. Ils ont approprié le biso de Mboka. Ils ont un biso de Mboka. Élection 2023, mon amboka Fabrice Belanga, élection 2023, oh, quand les mini pena. Nabaï politique, mais plus loin encore, nabaï confession religieuse, en quelque sorte. Mon collègue le tout comme mon amboka il a les prophètes, mon comme moi, ma casse, na République démocratique du Congo, na ba prophétie, na eu, ils allaient pena, un partage, différents vies, ba Christ, congolais, tout moni le mon amboka Joël Francis Tatou. À cause de la prophétie, à salité, mais élection 2023, à cause de élection 2023, il a été visité d'une manière spirituelle et que Nzambala qui s'est élection aux Alatines en 2023, mon amboka. Yo étant que Moko est politique déterminé pour gagner des sièges en 2023 en tant que candidat député national, t'attends Nzambala qui s'est élection aux Alatines. Ceux qui, pasteur, te prophète, Joël Francis Joël a appelé si message Johanna prophétie,
Bon, Ezali, et Juan Ezali religion. Ngai en tant que chrétien, na roi ko boya ngoti. Azali papa milimo, na ko respecter, na zapi na respect na e. Apesi prophétie oyo nzambe alakisi. De même que nzambe pe alakisi biso qui na 2023 tous ana maponomi. Wana pe Ezali. Mais oui, na pe balakisi nga parce que za concessionnel. Ezali concessionnel tous ay na élection na 2018. Tous à l'élection en 2023. Tous allés qu'ok na maponom. Et pour preuve, vous allez comme on a déjà enrôlement, ils allaient déjà lancé. C'est-à-dire, Tokoyeba, ceux qui papa prophète Nzambe alakisi ebongo, Nzambe akumisama. Et ceux qui pètent aux allés maponomi pè, neti ngai na ebi maponomi ezali, c'est que biso pètent aux élara maponomi. Donc, kuna commentaire ya makasi vous allaité parce que y en Nzambe ça alakisi. Mais il y a des gens qui ont dit que nous avons 2023, ma très bien, FCC boycotte les élections 2023. Il y a une élection au bureau à SNI et les alliés bureau crédibilité pour organiser l'élection 2023. Déjà, le palmarès, il y a un enrôlement où ils ne sont pas d'accord pour ces élections 2023. Non, les alliés un fait fouillant. En ce moment, un fait faux fouillant même. Pourquoi les lots, avant tout comme maintenant, des quasiment. Dans tête ya CENI confession religieuse va bandaye ko konela tout le monde kuna mwana mboka konela nanga ko lo ba déjà ki pa ko ko za candidat président en 2023 mais c'est un congolais il peut même se déclarer c'est un congolais mais question ezali siko toyeba est-ce que du fait de se faire déclarer candidat président de la République est-ce que population EPCO déjà voit pour oui, bah, Coco, ma présidente de la République. Ah, est-ce que c'est lui qui est confirmé yo? Mais déclaration, c'est une simple déclaration. De même qu'il y a un rappel en déclaration, je serai les candidats présents de la République. Mais Daniel, ça ne fait pas ça la déclaration. Mais Daniel, ça fait ça la qui donc, c'est tout Congolais peut le faire. Mais qu'il n'y a pas déposé candidature, c'est ni comme il y a le et recevabilité, il y a candidature, na yo, comme candidat président de la République, et ça l'est et le Romsus. Et combattre campagne, les alliés et l'Ogo Moussousou, et Congolais appellent sa confiance au coma président de la République, les alliés et l'Ogo Moussousou. Et aucun des sources dans le processus, il y a CENI a déclaré au candidat, et la Cour constitutionnelle est confirmée après au prêté serment, et ça processus sur Moussousou. C'est-à-dire, simple déclaration et ça problème. Mais pas dans la bande de Kouya, FCC. Les alliés Mawatro. Parce que, Bazali bandeko yo babomi mboka pendant 18 ans. Bandeko lelo mais babomi mboka bandeko babomi mboka mais bandeko bazali ki opposition comme on a pouvoir. Non, bazali opposition comme on a pouvoir. Mais c'est grâce à c'est là, il fallait te rappeler là-bas comme. C'est grâce à Joseph Kabila. Il fallait te rappeler là-bas comme. Mais moi na mutuna na otigolo tan répondre, mais c'est grâce à Joseph Kabila que. Mais na tuna mutuna mona mboka. Tuna mona mboka. C'est grâce à Joseph Kabila qu'il a organisé des élections en 2018 pour que un opposant congolais accède à pouvoir. Pourquoi qu'on y ait un maire? Il faut quand même que tu aies côté positivité. Il y a famille politique, il y a ancien chef de l'État, sénateur avec Joseph Kabila Kabang, mon amoka. Mais Koloba était, c'est grâce au Joseph Kabila. Il n'y a Koloba tout simplement. Ma ponomi et Salemaki n'a volonté à Kabila. Mais oui, parce que il avait ce... tout, il avait le pouvoir au sein de ma ponomi ça la matin tant qu'un démocrate. Non, moi namboka, ezali bomoté. Ma ponomi ezali organisé na constitution et la république. Très bien. Constitution et la république et lobby, ceux qui va élire yo na mandat moko après 5 ans, il fallait organiser le sous ma ponomi. Ezali moi namboka Kabila tiens. OK. Élection, ils allaient qui organiser la volonté à Kabila. Mais ils allaient volonté constitutionnelle. C'est les constituants. À Kabila. Non, ils allaient même la détermination à politique et à Kabila. Parce que au moins tant que vous allez, tant que vous allez dans parti politique, ils allaient un fait privé. Et les autres temps au commis Mokonzi Amboka, au commis qu'on gérait na privé na public. C'est-à-dire Kabila ne faisait que la volonté constitutionnelle. Où le député a décidé qui à l'époque dans la constitution, ma ponomie est banal cause là chaque après 5 ans. Donc Kabila a zala qui lui sous la volonté il y a kobo ya koganze ma ponomité. Soit il zala qui na volonté na c'est que le lobe boroloba na 2023 tata mo konze ambo kape a koi kosa na volonté ya koganze to koganze ma ponomité. Ezali un faux débat. Okay. Bande quoi FCC va régner pendant 18 ans. Dans 18 ans, bah, on va y aller comme ça, là, ils ont détruit la République.
Et les lots, bah, infiltration en République démocratique du Congo, Isali Kosibir, c'est grâce à cela. Ok. Et les lots, Romona, Bandeko, Anababima, Nabitando Ike, Kolobaete, Bazali Bato, va faire partie d'un processus électoral, parce qu'il faut passer à ceux qui restructuration de la CENI. Aussi longtemps, Bandeko, tant que Bandeko pour le président et la CENI, Bandaki Koboya. Mais ça qui, oh non, biso tous accrochés na boye, biso tous salibo. Les lots, Romona, dans l'histoire. Ndeko, le président, l'ancien président et la Cour constitutionnelle, tant qu'on a nommé le professeur Kalouba. Non, non, le professeur est Kalouba. Baloba qui n'y le président Tshisekedi a tiré Motonaye na Maponom. Et le lot, autant que tirage au sort, avant même tirage au sort, Ndeko Wana a tranché en faveur y a Ndeko Mata Tamponyo, non, a commis, a reçu ce Moutouya Tshisekedi. Et le lot, au tirage au sort, et Salemi, Ndeko Wana a kéi. Tshisekedi alongoli mutnaye. Non, allez se comprendre. Ces gens-là préparent les chaos. Omoni, chef de file Nabango, Nasadek, Alobaki, je reviendrai bientôt. Très bien. Mais bientôt, il y a Royawana et Kozalate. Parce que, Bisso, Tosal, il y a tenté, Yakotika, Mboka, Ezala. Ce qui est Kabila, Zala, la faiseur des rois. Mais, ce qui est Aza, hyper intelligent, toute l'Afrique. Mais il y a Banaki na Kongote. Akuta ki Kongo ezalaki, ezape na bato ba dirija Kongo avant yé. Histoire msusu bato babo sanaka. Ce qui totali lelo, président Félix Aza, 5e président de la République. Ce qui otali na 4 présidents o yo baleki. Ce qui otali o ya liboso to longolana Lumumba, parce qu'il y a zalaï premier ministre. Ce to bandi na Joseph Kasavubu. Romona, famille à Joseph Kasavubu. Ezalaki ndengeni. Et c'est Joseph Kasavubu a bandi ko voyager na bavion. Famille naïe, papa naïe, maman n'est pas à la kindengenin. Le deuxième, Joseph Mobutu, Azala kindengenin. Famille naïe, papa naïe, Azala kindengenin. Troisièmement, tu es pas Kabila le père. Azala ki, n'engenin, famille naïe. Et ce qui tu es quatrièmement, et pas Joseph Kabila, ou Yotel Koti Kabiso. Azala kindengenin. Et le lot cinquièmement, et pas Neko, Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, papa naïe, a l'équipe déjà plus de 3 fois ministre. Na République démocratique du Congo. Entre 4 présidents, Oyo Natangi Wana, na président Félix Tshisekedi, na nazo rêvé avion. Et ça, bah, on 4 ans, baléki, Tshisekedi voyageait déjà. Mais le lokoloba, le président Tshisekedi, aza na volonté, aza li ko préparer ceux qui nous n'ont pas, on va aza li ko causer les là, et ça y a monté. Tout ça, na ma ponom. Bande ko ya peper de baye baye te, IDPS à l'époque, en 2006, a boyaka ma ponomi. Et tant que tu boyaki ma ponomi et salemaki et zalaki organisé na volonté et a pe perdu. Tu kinaki na élection en 2006. Et tant que IDPS est boyaki, et ça déjà jurisprudence oyo, tu cotisa na République, IDPS est cotisa jurisprudence ya liboso. Les lobes boyaka ma ponomi, mais ma ponomi et salemaka. Et comment on a bateau bauti na pouvoir pendant 18 ans, koloba été ma ponomi wana. Bazali, Bato, Bako participité. C'est un non-événement. Okay. Bandekwana Bazali Kokima, parce que en 2018, Yemoko Shadari, Azala Kiwana comme candidat, to beta kiye. Et yo kanisi, na 2023, de Shadari, Rozo Malisupo, Aza Bokonzi. Ce sont des rêves. Bandekwana Bakimi, et ils seront sanctionnés à tous les nouveaux. Toko sensibiliser population. Baye Bako Pesa Bandekoya, FCC, Ata siège Moroté, parce qu'ils ont détruit le pays. Infiltration, tous allez vivre les lots. C'est grâce à eux que nous subissons aujourd'hui. Très bien, moi, grâce à eux que nous subissons aujourd'hui. Très bien, moi, Namboka, Fabrice Belang, on rappelle que nous avons recevoir pour vous le maître Fabrice Belang, Azali Moko. Et il doit pas essayer de te mettre un aimant comme l'Italie politique. Et moi, Namboka, tout le monde, on a souhaité une mission de plus de 147 000 abonnés. Mazali, ce que tu peux l'envoyer, un message n'y a pas à travers notre chaîne, comme on l'a vu télévision. Message n'a pas à la télévision. Message n'a pas à la Congo Live Télévision. Et un message à Kimia. Tout ça déjà dans le processus d'enrôlement. Si tu ne peux pas s'enrôler, pour sanctionner la terre politique, si tu as mis des gens en boca. Si tu as mis des gens en boca, tu as mis des gens en boca. Tu as mis des formes de la qui est non, pour nommer la terre, parce que carte d'électeur, ils ont mis des photos. Non, non. Tu as voté la terre pour la carte d'électeur, ils ont mis en couleur la carte de la et ça y a moté. Bo kende bo s'enrôler. Bo tout na bande ko wana, ceux qui ba lingi carte de lecteur o ezali na photo ya normal e monana. Ceux qui to bengi ba espère ba ya
et que bah c'est qui tout ça là report il y a élection en attendant tout ça bah carte d'électeur oyo bah on va aller que ça la comparaison na oyo eleki bande ko wana ba ko bima po ba esko ko sabino bo kende bo s'enroler 2023 ma ponomi ezali boye ba ko pesa chef de l'état renouvellement ya mandat na e 5 ans na e parce que ezala boye ezala déjà 5 ans 10 ans ici li OK bo pesa elle sous nouvelle classe politique ba tatanyo so wana ya mabe ba si ba bomi mboka boye ba sous ko zongi sa ba ona ba institution te bo pesa ba to mususu chance po ba e ba ko kamamboka bo s'enroler massivement. Merci, merci beaucoup.